Under the Silver Lake, un thriller en compétition sur la croisette. David Robert Mitchell était présent au 71e Festival de Cannes qui s'est tenu du 8 au 19 mai 2018. Le réalisateur était venu présenter son thriller Under the Silver Lake. Ce film, avec Andrew Garfield, était en lice pour la Palme d'Or. Le synopsis du thriller Under the Silver Lake. Le long métrage Under the Silver Lake se déroule à Los Angeles et met en scène Sam. Lorsque Sarah, sa mystérieuse voisine, disparaît sans laisser de traces, il décide de se lancer à sa recherche. Ce thriller raconte comment son enquête va le mener dans les bas-fonds de la Cité des Anges, où il oscillera entre cauchemars et hallucinations. Andrew Garfield est à l'affiche de ce long métrage. Dans le thriller Under the Silver Lake, le rôle de Sam a été attribué à Andrew Garfield. Les cinéphiles ont pu voir l'acteur américain dans les productions Silence ou encore Never Let Me Go. La distribution de cette production inclut également Topher Grace, Riley Cove qui incarne Sarah et Jeremy Bob, entre autres. Quelques mots sur cette réalisation de David Robert Mitchell. Selon David Robert Mitchell, le film est un mystère. La narration est un mystère, le personnage principal est un mystère. Il ajoute que le thriller adopte le point de vue du personnage principal et sa vision du monde. Avec Under the Silver Lake, le cinéaste rend hommage aux réalisateurs qui l'ont influencé, notamment David Lynch, John Carpenter et Brian De Palma. Une production diffusée pour la première fois au Festival de Cannes. Under the Silver Lake a été projeté le 16 mai 2018 pendant le Festival de Cannes. En France, ce thriller sortira au cinéma le 8 août 2018. Pour le moment, seule une bande-annonce en anglais est disponible en ligne.